Ils sont plusieurs dizaines de veuves et d'orphelins à avoir bénéficié de dons divers ce vendredi 8 novembre 2019. Une initiative de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, avec l'appui de plusieurs partenaires tels que des banques et des établissements financiers, des vivres et des kits scolaires ont été remis aux bénéficiaires. Pour l'épouse du chef de l'État Sika Kabore, cette initiative est d'une grande importance au regard du nombre croissant de veuves et d'orphelins du fait du terrorisme. Je voudrais saluer l'initiative de la Caisse nationale de sécurité sociale en faveur des veuves et des orphelins et des enfants vulnérables. Je voudrais également profiter de ce que j'avais écrit pour remercier l'ensemble des partenaires qui ont rendu cette opération possible en venant ajouter leur contribution à ce que la Caisse avait prévu. Cela a permis à la Caisse de passer, par exemple, pour ce qui concerne les enfants, de passer de 100 à 150. Je suis vraiment honorée d'avoir été retenue pour parrainer cette cérémonie dont le sens pour moi est vraiment très fort, surtout en ces moments de crise que nous vivons. Les récipiendaires, eux, ont réitéré leur reconnaissance à tous les acteurs et souhaité que les actions s'amplifient car il reste beaucoup à faire. Nous voulons ici les associer à notre joie pour traduire notre reconnaissance à la Caisse nationale de sécurité sociale et aux différentes banques qui ont contribué financièrement à la réalisation de cette noble initiative. Nous promettons ici solennellement devant nos accompagnateurs de faire un bon usage de ce qui nous a été donné et de redoubler d'efforts à l'école pour obtenir de bons résultats. Je voudrais ici rassurer la Caisse nationale de sécurité sociale quant à l'efficacité de cette action qu'elle a initiée en faveur des enfants démunis, d'assurés sociaux et souhaiter qu'elle puisse institutionnaliser ce geste salvateur. Nous souhaitons être accompagnés tout au long de notre parcours scolaire car nous rêvons, comme beaucoup d'enfants de notre âge, d'aller aussi loin que possible dans les études et ce sont des soutiens de ce genre qui peuvent permettre aux plus démunis comme nous d'espérer un avenir meilleur. Au total, 100 veuves et 150 orphelins ont été bénéficiaires. Les dons s'élèvent à plus de 25 millions, dont 11 millions fournis par les banques et établissements financiers et 14 millions par la CNSS. Bois Ma TV, l'autre télé.